Les commentaires Abrège Frères se multiplient sous les TikTok, plusieurs TikTokeuses prennent la parole, voici ce que l'on sait. Alors Abrège Frères, c'est lui, c'est un TikToker dont le concept est simple, résumé en quelques secondes des TikTok de personnes qui durent parfois plusieurs minutes. Il a créé son compte fin janvier et a gagné plus d'un million d'abonnés en quelques jours, sauf que selon certains utilisateurs et utilisatrices, son concept serait détourné par certains à des fins misogynes. En fait, depuis le succès du compte, des dizaines de femmes expliquent recevoir sous leurs vidéos des commentaires affirmant que leur contenu est trop long, voire inutile. Parmi ces commentaires, certains mentionnent notamment Abrège Frères en lui demandant de résumer les contenus. Alors beaucoup de personnes qui témoignent insistent sur le fait qu'Abrège Frères n'a pas de propos misogynes lui-même, puisque désormais il fait autant de vidéos d'hommes que de femmes, mais ils estiment que la conséquence de ces vidéos, même si ce n'est pas voulu, a été une vague d'harcèlement pour beaucoup de femmes. Une autre TikTokeuse, Inès, rapporte même avoir reçu des menaces de mort parce que sa vidéo était, je cite, trop longue et qu'elle devait abréger. Ces TikTokeuses appellent donc les personnes qui ne sont pas intéressées à swiper et non à appeler à abréger leur TikTok en commentaire. Bref, abonne-toi pour plus d'infos.